You get a lot of books. I know what you do over the weekend. You read a lot. That's very good. You've probably seen this one here as well in your almost like your welcome package, Targeting Sustainability by Olivier Ferrari. And we're very pleased to have him here today, sustainable thinker and CEO and founder of Koninco. And he's giving us a little touch of what he's doing. Please, Olivier. Bonjour. 10 minutes, j'ai un seul objectif aujourd'hui, Claire. Un jour, je ne suis plus là, donc je n'ai pas de temps à perdre. J'ai quitté 2 fois ce monde, je suis déjà revenu 2 fois. La prochaine sera l'ultime. Donc je suis relax. Je n'ai rien à gagner, j'ai besoin de rien. Mais il y a un message que j'ai au travers d'un projet qui a été développé, 9 ans d'investissement, avec 12 personnes. Et merci à Christopher de me donner l'occasion. Mon seul objectif, vous convaincre que l'année prochaine, dire, vous êtes plusieurs d'entre vous d'avoir rejoint. C'est clair, c'est basique, c'est tout simple, mais c'est une réalité. Hier, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'argent disponible. Merveilleux. Alors, allons de l'avant. Je commence par un petit film. There are currently 1.2 billion vehicles on the road worldwide, and it keeps increasing every year by nearly 90 million. This represents potentially 4 times those numbers per year in tires, which are mostly dumped into the wild. Founded in 2013, Tire Recycling Solutions extracts tradable raw materials contained in scrap tires and processes a portion of them into a powder used for multiple industrial applications. The Swiss-based company is now exporting its expertise to the Middle East, China, and Eastern Europe. For TRS, the market for sustainable and recyclable products is growing fast because entrepreneurs are starting to realize how profitable clean tech can be. Since its inception, the company has raised nearly 18 million Swiss francs. TRS will soon open a test facility in Yvonand, a 3,150 square meter plant that will show investors and buyers the possibilities offered by its technology. Part of the substance produced by TRS could replace 15 to 20% of the natural rubber or polyurethane currently used to make new tires and molded car parts. Its product can also be applied to manufacture industrial cables or waterproof seals and gaskets, and can even be used in making soles and footwear. TRS, an eco-friendly investment solution to build a better world. People see waste, we see opportunity. People see waste, we see opportunity. 9 years, pardon, 9 ans. 9 ans pour arriver à une première usine et prouver que nous avons un modèle qui permettra demain, au lieu de jeter près de 4 milliards de pneus dans la nature, nous pourrons les intégrer dans une économie circulaire. Vous avez ici sur le tableau notre approche de l'économie circulaire. La coopérative apporte une réponse à ça, une réponse à l'objectif des accords de Paris. Si vous regardez sur votre gauche, nous avons un triangle qui diminue de plus en plus. La planète est ronde, le stock est connu. Le stock peut paraître infini, mais il diminue chaque fois. Lorsque nous transformons, nous extrayons des matières premières, nous créons des déchets. Lorsque nous transformons, nous créons des déchets. Lorsque nous produisons, nous créons des déchets. Le produit devient un déchet. You see waste, we see solution. À tous les mouvements, tous les niveaux de production, de création, nous avons besoin d'énergie. Pourquoi il est important d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Ce n'est pas que du solaire. Mais de l'autre côté, nous ne raisonnons pas dans un produit quelle va être sa finalité à la fin de vie. Le coût des externalités, on en a parlé hier. Le coût d'une externalité, ce n'est pas seulement le fait qu'on jette un déchet dans la nature, c'est le fait que des produits transformés ont parfois des qualités intrinsèques physiques meilleures que le produit de base extrait par exemple du pétrole, mais que sa mise en valeur est plus chère. Dès lors, il faudrait que le prix de base intègre le coût de cette transformation pour qu'il y ait compétition. Parce que l'être humain,
tous collectivement d'accord dans la même salle, individuellement face à son porte-monnaie, le même regard. Qu'est-ce que je peux avoir de moins cher, de plus efficient, de plus rapide? Et ça, c'est une des problématiques à soulever. Ça veut dire que si on pense non plus déchets, mais que l'on pense matière première, c'est le deuxième triangle que vous avez à votre droite, qui lui est un stock qui est déjà incroyable au niveau mondial, mais qui ne cesse de croître jour après jour. C'est notre approche de dire, nous pouvons avoir un impact sur l'environnement, nous aurons un impact sur la société. Et quand je parle de finances durables, je ne parle pas de SG, des séries et tout ce que l'on peut entendre, c'est juste de revenir à un projet qui est un peu différent. Celui-ci, il est simple. 400 millions d'années d'évolution pour les forêts primaires. C'est fabuleux. Les forêts primaires, vous avez des grands arbres qui ne contestent pas aux fougères d'exister et inversement. L'humanité veut certains mouvements politiques tout uniformisés. Nous ne pouvons pas uniformiser. Les forêts sont extraordinaires, il n'y a aucun déchet, il n'y a aucune poubelle, chacun est au service de l'autre, tout en pouvant individuellement exister et croître selon les potentiels qu'il a et qu'il a envie qui lui sont donnés. Telle est la réflexion que l'on a derrière. Par contre, un autre mouvement, un chiffre, 710 000 milliards de dollars. C'est ce qui a été investi selon une étude de la BRI en 2013 dans les produits financiers. 3% de rendement sur ces 710 000 milliards, c'est la dette américaine. Peanuts, la dette américaine. Il faut se rendre compte par rapport à ça. Le problème est la finance. Je taquine toujours Christopher, on ne parle pas de la finance. C'est un vrai problème, la finance. Je suis dans le monde des fonds de pension d'un côté. Leur seul but, c'est de l'argent demain. On arrive avec un départ d'une start-up, quand c'est qu'on va gagner? Nous avons investi dans deux semaines, il y a deux semaines dernière, dans une start-up dont nous pourrons prouver la technologie en 2031 au plus tôt. Un truc de fou, c'est plus de 100 millions d'investissements à terme. Par rapport à ça, One Creation, c'est quoi? C'est une communauté qui a été pensée en 2010, investie jusqu'à aujourd'hui, travaillée par 12 personnes. Cette communauté veut lier d'un côté des entreprises qui travaillent dans 9 secteurs dits de développement durable définis par l'OCDE en 1994 déjà. Ces 9 secteurs, ce n'est pas que l'énergie renouvelable, on est dans l'agriculture, on est dans les déchets, on est dans la gestion des eaux, dans la biologie environnementale. Nous investissons, nous l'avons prouvé, dans des sociétés cotées, car demain, on veut intervenir aux assemblées générales pour leur faire changer le modèle. Je ne veux pas vendre Total qui extrait du pétrole. Je veux qu'on aille à l'assemblée générale et qu'on leur dise, dans 5 ans, 10% des renouvelables. Dans 10 ans, 30%. En 2050, 100%. Changer le modèle. Êtes-vous d'accord? Et on va préparer pour voter dans des assemblées pour prouver que les actionnaires veulent leur argent et ne veulent pas forcément changer. C'est cette réalité où je suis confronté depuis 37 ans maintenant et 13 ans de la durabilité. Nous allons donc dans des sociétés cotées start-up autres et des infrastructures. C'est une disruption totale de la finance, c'est un ersatz financier parce qu'on est dans toutes les complexités, les opportunités de la finance avec un seul but. Les possessions que nous avons, ce n'est pas d'être un co-investisseur, c'est d'être un co-propriétaire. C'est-à-dire que la start-up, on ne va pas lui dire dans 5 ans, je veux un return on investment de 4 fois mon investissement. Je veux qu'elle réalise son business, qu'elle se développe, qu'elle puisse aller de l'avant et que si elle fait un bénéfice, qu'elle partage le bénéfice. Ça, c'est ce qui est important et qu'elle réalise son modèle. Par rapport à ça, on veut un impact positif sur l'environnement et que les sociétés dans lesquelles on investit, idem pour les cotés, qu'on a 40 sociétés aujourd'hui avec les non-cotés et autres, que ces sociétés aillent dans un impact et génèrent un revenu qui découle d'une activité économique et pas de la gestion de la trésorerie qui, pour certains, partent dans ces produits financiers. Tel est le but. Les associés aujourd'hui, nous avons prouvé que les associés, 60% des privés, 10 fonds de pension, un petit family office qui nous a donné des moyens, 4 ONG, 3 collectivités publiques, des villes, 3 ONG et quelques entreprises commerciales. On a pu devenir la coopérative des partis. Ça, c'est le projet. Nous avons pu aller de l'avant avec un projet. Nous voulons agir localement. Nous voulons avoir une vision en termes de performance, des investissements qui vont dans l'innovation. No, what we want. We will be an actor. We will be part of this economy. We will be part of the people who are linked to the real economy. That's the fact, not the 700,000 billion dollars. Run out of label for the real economy. That's the way, and you have his the scheme. Economy, engagement, vision, social performance, also generations. We have to think to the new generations, not the only who are here, but the only who will come after, the son or the children of the children of my children. I apologize to my daughters to say to give us life, because I think their children of their children won't be alive in this world if we continue like we are doing today. That's the facts. To close, just a short vision about what we think. Understanding sustainability. Passengers of time,
We evolve in an infinite universe that never stops developing. Planet Earth was built over more than 47 million centuries. We have been deconstructing it since less than 2 centuries. Since the first industrial revolution, human activity has shaped the Earth. Sprawling cities have conquered natural spaces. We connect to each other by still consuming natural spaces. Land is no longer sufficient. Cities invade bodies of water. Our activities using fossil fuels make the atmosphere toxic. We annihilate up to the last primary forest to extend areas of cultivation without biodiversity. Water, the source of life, receives all our detergents and other undesirable products. Nature has become our dumping ground. We eradicate even the last remaining arable land by covering it with polluting chemicals. Are we the last wave that will erase everything of life on the last living planet of the solar system? We can rebuild a desirable future. We have all the elements at our disposal. Let's commit to renewable energy. Let's develop the power of hydrogen and its multiple applications. Let's further strengthen public transport. Let us share the goods that can be collectivized. Let's enrich our soils. Let us give back spaces without human presence to the wildlife. Let's give marine life the opportunity to recover. Let's find our fellow men. We can return to the natural whole of the origin from a distorted whole. Let us not seek to move to another planet. The Earth has already welcomed us. Today, children represent the present of a desirable world. Let us rebuild it with respect for life and the living. Humanity has a future. Let us trust our fellow human beings. So, in the picture you have all the world. I wasn't able to tell you today, but I think everything is there. This is a community I will build with one creation, the biggest company, not dedicated to speculation, but to follow, to be part of this real economy. And you can join us if you want. I told you before, where I say all the time in the conference, Facebook, LinkedIn are born in United States. One creation is born in Europe. Thank you for your attention.